Bienvenue au podcast de cette semaine de la boutique La Mairie. Cette semaine, on va vous présenter des tricots d'été que moi, Chantal et deux étudiantes ont réussi à tricoter pour le plaisir là, de vous les montrer. Ici, le projet de Monique, c'est une élève qui nous l'a laissé. C'est un beau chandail top-down qui a l'air beaucoup plus compliqué que qu'est-ce que ça en a l'air parce qu'il est très simple à tricoter. Puis c'est une fine quand même d'une bonne grosseur. C'est du coton lin, puis ça se tricote très rapidement. Vous avez une belle dentelle aussi. Puis c'est fait, le nom c'est le Trillium Lake et c'est de Kay Hopkins. Je vous présente ma collaboratrice Cléopâtre qui nous montre la couleur que Monique a utilisée. C'est le bleu, la couleur 31. Donc, c'est une très belle fibre là, à faire. Puis, elle est beaucoup plus belle tricotée qu'en balle comme ça parce qu'on la voit qu'il y a deux couleurs. Puis, tricotée, ça fait un beau chamoiré. Donc, un beau projet de Monique. Je vous présente le projet de Chantal, le Summer Ella Solo, qui est de la designer Lynn Holm Samsoy. Chantal a fait la grandeur medium qui lui a pris 7 balles pour réaliser ce projet. Donc, c'est la Sadness Garn, la line. C'est un fil d'éca qui est en coton lin. Donc, c'est fait avec une belle dentelle qui rappelle des petits feuillages, qui est un petit peu des trous ajourés. Il est quand même, le col est quand même haut, mais il est bien évasé comme ça. On ne se sent pas étouffé là, quand on le porte. C'est parfait pour l'été, puis ça a une bonne fibre là, légère à porter. Donc, c'est une belle finition là, de dentelle que vous pouvez porter soit avec un jeans, un pantalon propre. Donc, ça vous fait un beau projet. Ici, je vous présente le Summer Knoss par Else Beth Judith, un autre projet qui a été réalisé par Chantal. Une chance que nous l'avons, donc on a plusieurs sujets. Et c'est un projet super le fun à faire parce que chaque section, c'est un point différent. Donc, quand on le travaille, on a toujours hâte de se rendre à la prochaine section, fait que ça va plus vite. Moi, c'est le genre de projet là, que j'aime réaliser. Donc, celle-là aussi est faite avec la Sadness Garn Line. Puis, c'est un top-down aussi. Puis, c'est très léger. Vous avez même des petits trous là, d'aération. Puis, ça se répète, mais c'est quand même pas trop répétitif, mais c'est vraiment beau. Puis, même aussi, l'arrière est faite comme ça. Puis, Chantal a fait la grandeur large. Ça prend 6 balles. Puis, c'est une difficulté moyenne. Puis, j'ai trouvé aussi sur Ravelry sa petite sœur en fil plus mince. Donc, en fingering, il s'appelle le Knoss Light. Fait que ça pourrait faire un autre projet aussi. Si vous l'avez déjà réalisé, vous pourriez faire la version plus fine ou faire les deux. Comme prochain projet, je vous présente le Lotus, un autre projet tricoté par Chantal. C'est fait avec la Sadness Garn Thin Lin. Donc, elle l'a fait dans la version bleu pâle. C'est un beau motif qu'à force de le tricoter, vous allez voir qui a grandi, c'est mentionné par Sarah Blow elle-même sur son site de Ravelry. C'est un projet qui est pour débutantes avancées, intermédiaires, parce que vous devez être capable de lire la charte pour réaliser cette belle dentelle. Donc, c'est un projet très léger, puis ça fait aussi bien avec un pantalon propre ou des jeans. Puis, j'ai un autre collègue aussi qui l'a réalisé en couleur plus rayonnante pour l'été. Donc, que je vous le montre, c'est un beau petit orangé que Sylvie a eu le bonheur de tricoter. Elle a tricoté très rapidement. Puis aussi, vous voyez là, le détail là, de la dentelle qui s'agrandit, que vous la voyez en petit, puis ça devient de plus en plus grand. Donc, c'est vraiment très beau. Puis ça fait un beau vêtement à porter là, pour vos sorties estivales. C'est un beau projet à réaliser rapidement aussi parce que ça prend juste 4 balles pour le réaliser dans la grandeur médium. Donc, juste voir là, la grandeur que vous avez besoin et le nombre de métrages à utiliser. Ici, je vous présente le projet du chandail aussi encore de Chantal, un beau cumulosité de petites nits. Ça a été fait avec la Thin Lin. Donc, ça prend environ 5 balles pour réaliser ce projet. C'est avec un ranglant. Puis, vous avez aussi la petite I-cord qu'on vous a démontré aussi dans une vidéo précédemment là, de technique. Vous avez aussi le rabattage ici, I-cord, et en bas aussi. Donc, c'est réalisé avec des petites aiguilles, par exemple, des 3 et des 2,5. C'est le fun aussi à tricoter parce que dès qu'il est terminé, on a fini ça,
bien, il est prêt tout de suite au blocage. On n'a pas besoin de faire d'autres choses. Donc, c'est super le fun à faire. Il y a des élèves qui l'ont fait en 2 semaines, très rapidement, là, même que j'aurais failli partir avec, parce qu'en plus, c'était dans ma couleur bleue. Puis, on a aussi Ginette qui nous a laissé, une élève à Chantal, qui nous a laissé son projet réalisé dans les teintes de mauve. Donc, elle a très bien réussi, là. C'est sûr que celui-ci est plus long parce que c'est des petites aiguilles, mais ils sont tellement fiers de l'avoir réalisé. Puis plusieurs fois, ils le refont une deuxième fois et une troisième fois dans des couleurs différentes. Puis vu que c'est utilisé avec des tricoté avec des plus petites aiguilles, le tricot est plus dense, fait qu'il se tient beaucoup mieux. Puis vous pouvez aussi le réaliser pendant vos projets vacances. Donc c'est facile à faire là, dans la route, un coup qui est en rond, là, c'est facile à tricoter. Puis, vous allez être fiers du résultat, puis vous allez pouvoir même le porter pendant vos voyages. Je vous présente le Cora Sweater. C'est un projet que j'ai réalisé moi-même. C'est un patron de Rosa P. Sur Ravelry, vous pouvez le retrouver. Puis, vous pouvez le tricoter de 2 versions. Soit vous avez le choix des grandeurs de 2 manches, puis de la longueur aussi 2 fois. C'est un beau chandail de base à avoir. C'est facile à faire avec une encolure en rond, puis c'est un top-down. Puis avec les raglans. Moi, j'ai utilisé les rayures comme il était proposé dans le patron. J'ai fait la taille numéro 4. Et pour ça, j'ai pris 5 balles de la couleur principale et 4 balles de la couleur secondaire. Par contre, dans le patron aussi, ça vous offre la possibilité, si vous voulez le faire avec d'autres couleurs, si vous voulez faire 2, 3, 4 couleurs, bien, c'est indiqué comment procéder là, dans le calcul de vos laines. Vous pouvez aussi le voir dans les projets qui ont été réalisés par des tricoteuses, qui a été fait aussi en couleurs unies. Donc, ça vous fait plusieurs possibilités là, pour le réaliser. Pour terminer, je vous présente la dernière création qu'on a. Mais voyons, où c'est qu'elle est? Mais elle est où? Cléopâtre. Cléopâtre le mis sur elle. Donc, c'est mon projet que j'ai réalisé, le Summer League Cut-Off de Alexandra Tavel. Je l'ai réalisé dans la taille numéro 3 avec la laine duo. C'est un coton avec le mérino. Donc, ça m'en a pris 6 balles. Puis c'est un peu pour nous rappeler les sports d'été. Puis avec la petite mention ici du petit col en V là, qui faisait un plus rétro dans le temps, là, que une petite nostalgie de jeunesse. Donc, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, ce beau patron. Il y a la version payante ou si vous allez plus bas dans les commentaires, il y a la version gratuite dans son blog qu'elle a aussi, la fille. Puis elle en a plusieurs aussi, autres projets avec ce petit V, son petit X. Donc, j'ai beaucoup aimé le tricoter, puis il est très agréable à porter. Puis il est un petit peu plus lourd vu qu'il y a du mérino. Donc, c'était le projet que Cléopâtre a eu le bonheur de porter. Restez à l'affût. Dans notre section vidéo technique, la semaine prochaine, on va vous présenter 2 techniques. La première, ça va être un rabattage tubulaire, aussi appelé le rabattage à l'italienne. C'est une super belle technique. Et aussi un montage pour faire le bout de vos chaussettes, le toe-up, de la façon de Judy Caston, qui va être démontré par Chantal. Merci d'avoir été avec nous pour notre podcast. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites des j'aime, c'est toujours encourageant. Puis partagez la vidéo à tout plein de tricoteuses. Et au plaisir de se revoir. À bientôt.